Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette belle recette. Nous sommes au mois de décembre, c'est les fêtes qui approchent. J'ai décidé de vous préparer une très belle recette de volaille, des cailles jaunes des Landes élevées en plein air. Alors, première chose à faire, c'est s'occuper des cailles. Donc, on va lever les suprêmes et les cuisses. Voilà, on passe sous les suprêmes. Le petit plus. Avec vos doigts, vous décollez la peau et là, vous prenez une feuille d'estragon comme ça, fraîche. Ça va colorer la caille et en même temps, ça va la parfumer pendant la cuisson. Alors avec les abats, vous pouvez faire une petite soupe avec des légumes. Les belles cailles sont là, donc maintenant, on va s'en occuper, on va les bichonner. Un peu de sel, un peu de poivre, un peu de quatre épices. Allez, hop, un poêlon. Hop, c'est bien cette recette parce que c'est une recette... Les cailles se cuisent presque à la fin avant de les servir, alors que tout le reste, vous pouvez le préparer à l'avance tranquillement. Le but, c'est aussi de pouvoir être à table avec les convives et les amis, mais pas trop. On a dit qu'on faisait en petit comité. Voilà, on les arrose. La cuisson, elle va durer environ une dizaine de minutes. On va retirer la caille. Et là, je vais faire mon déglaçage directement dans la poêle avec le porto et le vinaigre. Maintenant, on passe aux légumes. Donc les palais, les betteraves, donc là on est prêt pour dresser. On va commencer par la marmelade de clémentine. C'est vraiment un plat de fête. Ensuite, on va s'amuser à mettre les légumes. Une belle caille qui revient au centre, parce que c'est pas de la vedette la caille. Hein. C'est corsé, c'est gourmand. Bonne fête de Noël et de fin d'année. Soyez prudents, portez-vous bien.